Salut les gars, premier vlog d'AS Foot. Aujourd'hui on va voir Paris FC contre Nîmes. Et là je vais aller chercher Landro à la gare et ensuite on ira voir le match. Dites-nous en commentaire quel match vous voulez qu'on fasse. Let's go, rendez-vous à la gare. Je crois que c'est lui en rouge là-bas. Attends, je vais aller voir. Je crois qu'il attend depuis une heure. Hein. Qui est là? Wesh mec. Ça va tranquille? Ça va ou quoi les mecs? Ouais, ça fait une heure t'attends quoi? Y'a plus personne. Vive la SNCF, on valide la SNCF. T'entends ce rythme? Ouais, j'entends un son. Tu veux pas aller voir vite fait? Nous on va voir ce qui se passe par là. C'est ton petit pichou. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Salut Popolio. Salut la caméra. Les amis, on vous présente Popolio et qui est Van Gogh. Van Gogh, c'est un peintre. Ouais, mais il a du talent. Mais pour la musique, c'est pas pratique. Pour la musique, c'était pas pratique. C'est vrai, mais le truc. Popolio, présente-toi. Je suis Popolio. J'ai rien d'autre à dire. Popolio, c'est maintenant la nouvelle recrue à S-Foot. On va faire du charbon sur TikTok et vous allez voir cet homme. Cette tête. Montre-nous la meilleure chose que tu puisses faire. Quoi? Maintenant, là, ton suite. Meilleur talent, là. Tout de suite, là. J'ai paniqué. Tu sais que t'aurais pu jouer du piano, peut-être, par exemple. C'est impressionnant. Moi, c'est pas contre vous, mais mon train a déjà eu 20 minutes de retard et j'ai très faim. On va manger, les gars? Ça roule. Moi, j'ai des hamburgers. Ah ouais? Ok, ça va. Là ok, merci beaucoup, c'est grave. On arrive à Paris, on fait 10 mètres. Refoule. Premier restaurateur qui conseille un autre restaurant comme le sien. On a faim les mecs, on a faim. On va grailler? Ouais, de feu. Moi je meurs de faim les mecs. Bon app tout le monde. On y est les mecs, on y est à Charletti là. Tu veux nous faire un pronostic? Petite victoire du Nîmes Olympique 2-1. Match très serré. Je pense que ça va jouer football. Le PFC n'est pas dans sa meilleure période, Nîmes non plus. Je pense qu'on a les armes pour les battre. On verra ce que ça donne. Bon, moi je vois le Paris FC gagner 3-1. Hein. Voilà, c'est mon petit prono rapide en 30 secondes. C'est un mensonge les mecs. Et maintenant, on a les deux supporters nîmois, bien évidemment. Flex Coot sur Twitter. Famoso Nîmois sur Twitter également. Et on est là pour espérer voir Nîmes gagner, tout simplement. Allez, moi je vais dire 3-1 pour Nîmes. 3-1 pour Nîmes, beaucoup d'absents du côté du PFC, 3-1 pour Nîmes. C'est un petit 2-1 pour Nîmes ici, avec un but de Ben Raouf. Voilà. Un but de Moussa Koné. Voilà team, on est avec Walid, ultra du PFC. Moi c'est Walid. Honnêtement, on est sur 3 défaites de suite. On va être honnête, si un match nul c'est très bien, on prend le match nul parce que là on est sur une mauvaise dynamique, on fait que perdre en fait. Un petit match nul 1-1, on signe. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on est à Charletti pour regarder le match entre le Paris FC et le Nîmes Olympique. On tient tout d'abord à remercier Kevin de la communication du PFC. On va vous faire découvrir le stade. Selon Amadi, je suis le plus gros chat noir d'histoire. Je suis vraiment mais au bord du gouffre. Bon la team, fin du match, défaite du Nîmes Olympique au Paris FC. Terrible, vraiment j'ai un seum pas possible. Et on se retrouve une fois de plus avec un homme qui est heureux là pour le coup. Ah, je suis content là, c'est victoire logique, victoire méritée. On rappelle le prono, ton prono c'était? Moi je voulais pas me jeter l'œil, c'est ça mon prono. Moi je me suis jeté l'œil de ouf. Il avait dit match nul et il repart avec 3 points les gars. Et toi t'avais dit combien? Je parlerai pas de chiffres. Moi j'avais dit 2-1 pour le Nîmes Olympique. Victoire sûre. On n'a pas réussi à caler un but. On s'en sort bien, c'est plus important, c'est de gagner un match. Après 3 défaites de suite, on était en difficulté, on vient. En plus contre Nîmes. On se régale, on prend des points chez eux. Les gentils Nîmois qui nous ramènent des points. Ouais, on vient donner des points. Et bon retour dans le sud. Hein. On va terminer le vlog avec Mini-moi, Fleck
et El Famoso. Ça a été compliqué les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé du match et comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette fin de rencontre pour Nîmes Olympique? Écoute, c'était un match, frérot, on a dominé la première période. Premier quart d'heure de la seconde période, c'est une leçon de foot. Tactiquement c'était incroyable, sauf que tu marques pas et puis tu prends un but et après ça marche. Ça court plus et comme Grenoble, comme Amiens. Ouais, comme Grenoble, mais enfin... C'est la même catastrophe. Grenoble, pour ceux qui n'ont pas suivi, on perd le match, pareil, enfin une erreur débile, mais on gère très très mal nos deuxièmes mi-temps. Et je pense que clairement, les gars, on va en parler, il y a un problème tactique au Nîmes Olympique. C'est pas possible ce genre de changement, j'ai rien contre toi Pascal, mais il va falloir qu'on discute, il y a des problèmes. Même avant ça, t'as la ligne d'attaque la plus technique de Ligue 2, largement. Ferra, Benraou, et ils arrivent pas, ça arrive pas à combiner devant un Marquinhos. Sortir un Benraou alors qu'un Ponceau est vachement... Déçu, mais pas surpris. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé au vlog. Merci à toi, merci à vous les gars, et suivez AS Foot. Suivez AS Foot, donnez-leur de la force, putain.